C'est quel genre de manière ça? Toi, je ne t'ai pas dit de ne plus mettre tes têtes de pied ici. Hé, hey, madame. Viens ici. Tu sors d'où? J'étais allée me promener un peu. Ah bon? Est-ce qu'on se promène à 4h du matin aussi? Désolé, moi. Hein? En ce beau temps de froid comme ça, où les gens sont couverts, toi, tu sors encore pour aller se balader. Tu peux déjà balayer la chambre? Désolé, moi. Vraiment désolé, tais-toi. Je t'ai toujours dit qu'on ne monte pas un vaisseau comment faire des grimaces. Hein. Tu veux ça dire? Non, j'étais allée. Hey, tais-toi. Non. Tu as déjà même brossé tes dents. Désolé, moi. Comment désolé? Tais-toi. Si je parle, je ne veux pas que tu me dis merci seulement ou bien s'il te plaît, maman, j'ai écouté. Tu me vas répondre à ma maman quand elle me donne des conseils. Hein? Pourquoi désolé, désolé, désolé? Tu me vas répondre à ma maman quand elle me parle. Désolé, maman. Et le merci. Merci, maman. Va balayer la chambre. D'accord, maman. J'avais parlé l'autre fois d'un truc, bah, tu as pris quelle décision? Non, tu sais qu'on ne peut pas sortir ensemble. Ah, ah. Pourquoi tu fais comme ça? Hein? Mais si tu ne veux pas goûter la vie de Luce, avec moi là, tu t'es bon. Rassure-toi que je vais m'occuper de toi. Hein? Tu veux quoi, Villa? L'argent, t'inquiète. Moi, je peux dépenser plus de 700 000 sur toi en une journée. Hein? Ma chérie, je suis. Oui, avec les jours qui sont beaux déjà. Hein? Et t'inquiète, bon, je vais te prouver en même temps. Moi, je ne mens pas. Quand je veux faire, je fais. Mais je vais donner héros. Toi-même, tu vas aller monnayer ça. Prends. Voilà, c'est 100 euros. D'accord. Eh oui. D'accord. Tout à l'heure. Merci beaucoup. Bon, faut prendre pour répondre. Donne ça à ta mère. D'accord. Ça, c'est 5000 francs. Donc, tu lui donnes. Tu la donnes plutôt. Bon, vous gérez, hein. D'accord. Ok, à tout à l'heure. On se voit demain, même endroit. Hein? D'accord. Ne dis pas à ta maman. C'est bon. D'accord, je comprends. À tout à l'heure. Le goût de ça. Bonjour, maman. Ah, bonjour, mon fils. Ça va? Hey. Ça va très ça bien, dirait. Bien. Oui, c'est là. La famille. Ça va bien. Et le marché. Ça va bien. Les nouvelles. Ça va. Mmh. Sinon, ce n'est pas un peu grave. Hein. Uh-huh. Je suis venu voir mon loulounette. Mmh. Toi-même, tu sais, non? La petite canard en sucre. C'était sûr. Lily! Oui, maman. Loulounette. Oui, maman, j'arrive. Liliana, comme un CEO. C'est quel genre de manière ça? Toi, je ne t'ai pas dit de ne plus mettre tes têtes de pied ici. Ma lunette. Arrête de m'appeler comme ça. Hein. Tais-toi. Ne m'appelle plus comme ça. Ne t'inquiète pas. Hein? Oui, maman. Chérie. Hein? C'est que je l'aime très bien, maman. Je l'aime vous là. Toi, c'est calme ton cœur. Calme ton cœur là. Ah bon? Oui. Aimez la même. C'est que c'est son cœur qui est dans mon cœur. Toi, tu peux m'aimer même. Tu peux m'aimer. C'est le respect ça. J'étais éduqué comme ça. Tu sais pas que c'est le beau de beau. Hein? Passe ici. Va finir ton travail. Passe vite. Va terminer ton travail. Toi là. Et puis elle a osé. Mon beau, calme ton cœur. Je suis avec toi. Hein? Je te crois en toi comme tu crois en moi, comme tu crois en ton cœur. Sinon, je l'aime plus que ma mère. Ah non, et c'est ça seulement, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Une maman avant tout. Hein. Il n'y a pas de deuxième maman, mais il y a le deuxième papa. Allons-y. Oh, mais je vais t'accompagner. Calme ton cœur. Hein? Non. Tranquillise-toi. Hein? Hein? Moi, je n'ai de commencer. Allons-y. Merci, maman. Si je ne me sens pas vite là, cette fille va déposer la ronde sur moi sur le quartier ici. Hey! Il fait comment pour sortir de cette maison? J'ai envie de passer à là. Elle est où même? Lily! Viens!
Amène un tabouret. Bonjour ma fille. Bonjour maman. Tu as bien dormi? Ok. Tu sais que nous sommes une famille exemplaire dans ce quartier-là. Oui maman, je sais. Ah bon? Ok. Ces deux jours, je te vois poser certains actes avec ce vieux croucrou là. Ça ne me plaît pas. Bon, tu es sûr que c'est moi? Ah ah. Donc moi, je vais plutôt reconnaître quoi? Moi qui t'ai porté pendant 9 mois dans mon ventre. Hein? On va aller comme ça. Tu connais le bout de beau, non? Oui, maman. Il veut que tu l'épouses. Maman, moi, je ne l'aime pas. Pourquoi? Est-ce qu'on mange l'amour? Maman, il n'a pas d'argent. Tu as demandé, puis tu n'as pas donné. Je lui ai juste demandé un crédit de 200. Il n'a pas pu me faire ça. Et ce vieux coucou-là? Lui, il respire en euros. En bon? Oui. Je suis. Il respire, c'est toi qui respire en euros. Il me fait respirer en euros aussi. Hein? En tout cas, je dis, que tu veux pour moi, j'ai vu des petits enfants. C'est le beau des beaux ou rien. C'est fini, discussion terminée. Allez, va t'apprêter, il viendra à 18h. Maman, moi, je suis scotché. Mon vieux ou rien. Ah bon? C'est ça qu'on verra dans cette maison. Ce que tu oublies, c'est que moi, je ne peux jamais mettre ce pied chaud dans ta bouche. Je dis, va t'apprêter. Elle dort là où rien. Madame. Ah, la fille là. Toi. Toi. Et n'oublie pas de mettre ce qui est bien sexy. Hein. Tu comprends, Liliana? Ah ah. Je ne te parle pas. Maman, j'ai compris. Le bon est bon. Je suis venu dans cette maison, monsieur là. Va attendre ce qu'il a me dit ici. Hello! Ma chuchunette! Hey, 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 monsieur! Bonsoir! Bonsoir, monsieur! Et comment vous allez? Bien! Bon. Bon, je cherche ma chuchunette. Je dis, hein? Oui. Tu sais pas que ma fille n'a que 16 ans? Hein? À l'heure où ils sont en train de parler comme ça, ta Benjamin est plus âgée que ma fille, peut-être? Madame, je ne suis pas venu ici. Pour? Pour faire la colère. Monsieur! Je suis venu ici en fait! Tu crées ce qui m'a? Tu ne vois plus le plein soleil, les gens sont en train de dormir, tu viens crier à cause d'une fille de 16 ans, dans sa propre maison, devant sa maman. Eh hey, bon, est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas là, elle est partie au cours de répétition. Ah, madame. Oui. C'est quoi votre problème, maman? Ah, hein? Je dis, mon problème est que ma fille n'a que 16 ans, monsieur. Tenez la porte. Donc, tu réagis comme si l'argent que j'ai toujours donné à ta fille, tu n'as jamais reçu. Quel argent, monsieur? Je dis, je n'ai jamais vu la couleur. Je ne sais pas si c'est rouge, bleu, vert, violet ou bien euro, CFA ou bien dollar. Je ne sais même pas. Donc, monsieur, pack and go. Madame, vous allez doucement. Comment aller doucement? Hein? Je ne veux pas de la viande, c'est lorsque je vais sucer. Quel goût j'aurai dans ma bouche? Ah bon, est-ce que je ne te plais pas? C'est pas la peine. Papa, ici. Si tu es garçon, reviens ici, je t'attends.